Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Les gars, c'est quoi cette introduction? Je l'ai jamais faite celle-là encore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Aujourd'hui, review et showcase de Doko de la balance sur Senseiya Awakening. Doko, chevalier de rang S, bien entendu, un des chevaliers d'or, l'un des plus puissants chevaliers d'or du jeu actuellement. Vous allez voir, il est extrêmement performant, en tout cas je trouve, bien sûr, ce n'est que mon avis, hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'auront peut-être pas forcément le même avis, mais moi je le trouve vraiment incroyable pour le coup. Alors le personnage est déjà niveau 70, on va rapidement parler de ses statistiques. Comme tu peux le voir, il a globalement des mauvaises stats en vrai, hein. Puisqu'il a un bon C en PV, il a un bon C en attaque cosmique. Bon, il n'est pas attaque cosmique, donc il n'est pas attaque cosmique. Donc le fait qu'il ait C en attaque cosmique, c'est pas grave. Par contre, C en point de vie, C en défense cosmique, B en défense physique et B en vitesse, et c'est quand même pas terrible, terrible. Hein. Si on compare à un autre chevalier, tu vois, on a un petit peu plus de S, de A, tu vois. Enfin, généralement, on n'a pas autant de C. Et encore, là, ce sont les chevaliers, entre guillemets, ce ne sont pas les meilleurs chevaliers, encore, hein, qui sont là pour l'instant. Donc, on a notre Doko ici qui a cette stat S en attaque physique. Donc, on se doute, hein, le but, ça va être de cogner avec. Et bah, littéralement, c'est ça, c'est un cogneur. Sauf que, à la différence de Saga ou d'Ayolos, c'est un cogneur qui a également des mécaniques d'assistance et défensive. C'est ce qui va faire son intérêt à ce personnage, notamment, en plus de vous proposer le choix d'être soit un cogneur de zone, soit un cogneur mono-cible. Et on sait très bien qu'avoir le choix de justement pouvoir cogner en cible ou en mono-cible, c'est très 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 fort. Ça te rajoute énormément de possibilités et ça te rajoute du contrôle sur la game. Alors, son premier skill, l'attaque de base, Doko attaque un ennemi avec le Nunchaku. Il inflige 80% de dégâts physiques. Alors, c'est pas beaucoup, hein, 80% de dégâts physiques sur attaque de base. Et à 35% de chance d'effectuer un autre coup de Sensei Tsukutkon, qui inflige 60% de dégâts physiques. Doko gagne une âme de tigre lorsqu'il attaque avec le même type d'arme. Alors, 80% de base, c'est pas énorme, hein. Les cogneurs, généralement, si je vous montre, à mon avis, Saga, il a plus, par exemple, voilà. Pas du tout, Saga n'a pas plus. Bon, je vous le dis, il y a des personnages qui ont plus de base, sans devoir monter dans les levels, qui ont des 90, voire des 100% ici. 80% de base, c'est pas énorme, mais, vu qu'il a quand même une grosse valeur d'attaque physique, c'est pas négligeable. Et surtout, surtout, on a 35% de chance de rajouter 60% de dégâts à ces 80%. Alors, 35% de chance, c'est pas énorme, c'est une chance sur 3, mais lorsque ça proc, on a une attaque de base qui fait vraiment mal. Parce que pourquoi? Parce que forcément, on aura 140% avec une énorme stat d'attaque, avec une stat S. Donc forcément, tu t'en doutes, ça va faire mal lorsque ça proc. Donc ça, c'est pour l'attaque de base. À chaque fois qu'on va utiliser l'attaque de base, on va gagner une âme du tigre. Alors, je vais appeler ça les esprits, hein, pour faciliter la chose. On aura un esprit à chaque fois qu'on va faire une attaque de base avec Doko. Ok. Son deuxième skill, les 100 dragons de Rosanne, libère 4 dragons de Rosanne. Chaque dragon inflige 190% de dégâts physiques à un ennemi aléatoire. Alors, de base, pour 4, t'as 4 dragons qui font 190%. C'est pas mauvais, c'est pas incroyable, hein. C'est cher quand même pour ce que c'est. C'est quand même cher, mais bon, 4 fois 190%, c'est pas mal. T'es pas sûr d'où ça tape. C'est-à-dire, ça peut très bien taper les 4 sur le même mec, comme il peut y en avoir un sur chaque mec, 2 ici, 1 ici, 1 ici, etc. T'es pas sûr comment ça tape, donc c'est très aléatoire. Doko obtient un esprit du tigre, jusqu'à 4, chaque fois qu'il utilise cette arme. Lorsque les 100 dragons de Rosanne est lancé, tous les esprits du tigre sont transformés en dragons de Rosanne. Quand esprit du tigre atteint son maximum, les 8 dragons azur attaquent la cible principale en priorité. Alors, pause! Pour chaque esprit lancé, enfin pour chaque esprit qu'on a lorsqu'on va lancer l'attaque, chaque esprit va être consommé et va se transformer en dragon. Un dragon égale 190% de dégâts physiques. Donc si tu as un esprit, tu vas lâcher 5 dragons qui font 190%. Si tu en as 6, 6. Si tu en as 7, enfin si tu as 2 esprits, 6 dragons. Si tu as 3 esprits, 7 dragons. Jusqu'à là, tu montes à un maximum à une AOE de 7 qui va faire 190%. Je rappelle, Senseiya Awakening, c'est de base du 6v6. Quand tu lances 7 dragons, t'as les chances que ça touche tout le monde. T'as les chances que ça touche que par... ça peut toucher éparpillé. Enfin bref, il n'y a pas de règle là-dessus. Mais 7 fois 190%, ça fait mal. C'est une grosse, grosse, grosse AOE. Si on compare par exemple à Saga, Saga, il va toucher une fois tout le monde à 170%. Donc c'est-à-dire, s'il y a 6 ennemis en face, il va faire 6 fois 170%. Dites-vous que Doko, du coup, au maximum, il peut faire 7 fois 190%. Et en vrai, il peut même faire plus que ça, on va le voir.
Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a les 8... lorsqu'il y a les 4 esprits, donc les 8 dragons qui vont être lancés, les dragons vont être lancés à l'endroit où tu cibles. Donc dans ce cas-là, ça devient mono-cible. Mais ça devient plus que mono-cible. Parce que les dégâts en trop ne sont pas perdus. Les dragons qui ne vont pas avoir besoin de toucher la cible qui est ciblée pour qui sera déjà morte, les dragons vont aller s'éparpiller sur les autres cibles de manière aléatoire. C'est extrêmement fort. De toute façon, c'est pas compliqué. Si t'as 8 dragons, tu fais 8 fois 190% sur le même mec. À 8 fois 190%, tu commences à te douter que ça fait un petit peu mal. Hein. Tu vois, généralement, tu vois bien ce qu'il met Saga avec une AOE. Bon, t'imagines bien que 8 fois ça, ça fait généralement ça one shot. Généralement ça one shot ou ça laisse vraiment très bas en termes de points de vie. À la mort de la cible principale, les dragons azur qui n'ont pas encore attaqué attaquent des cibles aléatoires. Lorsqu'ils attaquent la même cible, les dragons azur infligent 80% de dégâts infligés dans l'attaque précédente. Donc on n'a pas les 100% des dégâts qui sont infligés. Hein, en fait, c'est que ça serait trop fort. Donc on a un petit scale qui se met de manière à ce que voilà le dernier dragon fera 80% de celui d'avant, etc., etc., etc. On ne fait pas les 100% des dégâts. Mais en soi, c'est excellent comme skill. C'est absolument monstrueux. On a un skill qui est jouable en AOE ou qui est jouable en mono-cible. Donc c'est juste tout bonnement excellent. Ensuite, le passif de Doko. Et d'ailleurs, c'est deux passifs qui restent pour le Doko. Donc son passif numéro 1. Lorsqu'il est attaqué, Doko a 65% de chance de se défendre avec une arme aléatoire. Donc il va se défendre. Vous allez voir, il va prendre la pose de la défense. Soit il va se défendre avec le Tonfa, qui va augmenter sa chance de résistance de statut de 15%. C'est bien pour éviter de se faire contrôler, mais 15% c'est quand même relativement bas. Ou alors il va se défendre avec le bouclier, vous le verrez. Qui va lui permettre d'annuler 10% des dégâts qu'il va recevoir. Donc dans les deux cas, c'est plutôt pas mal. Bien entendu... Je pense que de manière générale, tu préfères annuler les 10% de dégâts parce que c'est bien beau hein, d'augmenter ta reste de statut de 15%, sauf que s'il tape sur un truc où il n'y a pas de CC dessus, bah ça sert à rien. Alors que l'annulation des 10% de dégâts, ça sert sur toutes les attaques adverses. Donc a priori, j'aurais tendance à dire que tu préfères ça. Donc a priori, c'est une chance. Alors, t'as 65% de chance que ça proc et après, c'est une chance sur deux que l'un ou l'autre proc. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Doko va bloquer, il va gagner un d'esprit. Donc, pour gagner des esprits, Doko il va pouvoir soit taper avec son auto-attaque. Soit quand il va se faire taper, alors que ça soit sur lui directement ou que ça soit de l'AOE, il va pouvoir avoir 65% de chance de générer un d'esprit, de bloquer des dégâts ou d'augmenter sa restatue. Donc ça c'est bien. A noter ce skill, avec des doublons, il part un peu en couille, hein, le skill. Bon, bien entendu, personne ne va monter Doko level 5 tout de suite, mais d'ailleurs même dans très longtemps. A priori, il faudra avoir quand même beaucoup de doublons et être une sacrée baleine. Mais au level 5, t'es à 85% de chance de bloquer, donc c'est quand même assez énorme, tu vas quasiment tout le temps bloquer. Et tu vas augmenter tes restatus de 35%, bloquer les dégâts de 20%, c'est beaucoup, hein. Bloquer les dégâts de 20%, ça commence à causer un petit peu quand même. Et le deuxième passif. Quand un chevalier allié, effectue des attaques de base, alors attention, ça marche uniquement avec les attaques de base. Les attaques de base, c'est la première attaque. Ça marche que avec ces attaques-là. Quand un chevalier allié effectue des attaques de base, Doko a 25% de chance d'attaquer avec une arme aléatoire. Donc il va aider le chevalier, alors, lorsque le chevalier tape allié, il va aller taper lui aussi. Donc soit il va taper avec charge de lance ou coup d'épée. Charge de lance, ça va mettre une marque sur l'adversaire, l'adversaire ciblé, tout simplement. Lorsque vous allez utiliser l'AOE de Doko, s'il y a un dragon qui touche l'ennemi où la marque a été posée, l'ennemi va prendre plus 60% de dégâts supplémentaires pour chacune des marques. Donc c'est fort. C'est fort forcément, hein, parce que l'AOE, on a déjà parlé, elle fait déjà mal de base. L'AOE qui peut se transformer en mono-cible, admettons si vous mettez l'attaque mono-cible à un endroit où il y a déjà la marque, ça fait mal. Là, deuxième assist qui est possible, c'est coup d'épée, qui inflige 30% de dégâts physiques à un ennemi aléatoire deux fois. Donc c'est tout simplement Doko qui va venir mettre deux fois 30%, donc ça met pas grand chose en termes de dégâts. Mais vu que c'est rajouté sur une attaque de base déjà, admettons, je te dis un truc tout bête, Io fait une attaque de base, on va dire Ryu, il va mettre entre 2000 et 3000 avec son attaque de base. T'as Doko qui va venir ajouter double 300, double 600, peut-être quelque chose comme ça. C'est bien, ça rajoute des dégâts, c'est cool, ça fait le taf. Alors ça, c'est pareil, hein, avec les levels, tu peux monter dans des délires, quoi. Tu peux avoir plus de chances de marquer, comme tu vois ici, 70%. Enfin, pas de marquer, mais de mettre des dégâts de marquage. Donc en fait, ça change pas les chances que t'as de proquer l'assist, mais les effets d'assist vont être meilleurs. Donc c'est-à-dire,
La marque fera plus 100% de dégâts et l'auto-attaque, pareil, fera plus de dégâts. Donc ça, c'était pour Doko au niveau de ses skills. Donc vous allez voir, je vous ai déjà tourné une game en PVP avec le personnage. Avant de passer à la game en PVP, on va aller en arène des chevaliers pour jouer un petit peu le personnage en, de manière PVE, entre guillemets, quoi. Il n'y aura pas d'adversaire qui joue en temps réel. Ok, on est parti. Alors vous allez voir, hein, la façon que j'ai de le jouer en arène des chevaliers, ça n'a absolument rien à voir avec la façon que j'ai de le jouer en PVP temps réel. Forcément, c'est pas le même genre de strat hein, qu'on va appliquer. Donc ici, on part avec une team plutôt basée vraiment autour de Doko. Alors qu'en vrai, je joue pas spécialement autour de Doko quand je joue en PVP classique. Donc en face, on a qui est menaçant? On a Saga, bien entendu, qui est menaçant avec son AOE, qui risque de nous embêter sur notre June. Donc c'est principalement celui qu'on va chercher à debuff. En plus de ça, ça va nous donner des chances de... Enfin, ça va nous permettre de soigner plus avec Marine. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, vous allez voir, à chaque fois que je vais faire une auto-attaque, donc attaque de base, c'est écrit, à chaque fois que je vais faire une attaque de base avec l'un de mes personnages, Doko a 25% de chance de venir m'assister et de venir taper avec moi, ok? Donc là, attaque de base, par exemple, ça n'a pas proc. Ça proc pas tout le temps, hein, bien entendu, tu t'en doutes. C'est 25% de chance de base. Pareil, de la même façon, à chaque fois que je vais faire une attaque de base avec Doko, je vais gagner un petit esprit. Hein. Je rappelle, à chaque fois qu'il fait une attaque de base, il gagne un esprit. À chaque fois qu'il bloque, il gagne un esprit. À chaque fois qu'il fait une assist, il gagne un esprit. Donc on est parti, attaque de base sur Moses. Bim, voilà, en plus on a eu la double attaque, donc comme tu vois, on a mis des bons dégâts. On a gagné, du coup, deux esprits, là, avec la double attaque. Donc les esprits, c'est ces espèces de boules vertes qui te tournent autour, là. Ces espèces de petites sphères vertes, les lueurs vertes qui te tournent autour, c'est les esprits, justement. Donc à chaque fois que tu vas faire une auto-attaque, et là par exemple il assiste, bim, voilà, on a du coup 3 esprits. Donc tu vois, ça c'est très rapide, enfin ça peut être plus ou moins rapide, mais généralement c'est quand même plutôt rapide, de générer des esprits avec Doko. Ça peut vraiment se faire très rapidement, très franchement. Donc là comme on le voit pour l'instant, il en a déjà généré 3. Je suis face à une June, donc a priori face à June, c'est peut-être mieux d'utiliser le skill d'AOE que d'utiliser le skill mono-cible. Donc plutôt de partir en spé lorsque justement j'ai ces 4 d'esprit. Alors honnêtement, globalement, de manière générale, c'est pas ce que j'aurais fait. Ici, d'habitude, en arène des chevaliers, j'aurais plutôt utilisé le skill à 4 avec Seiya. Mais là, je vais vous montrer les dégâts qu'il fait en AOE en espérant qu'il y ait un proc, un rock qui proc, pardon, entre celui d'Eidalos et celui de Seiya. Ça serait quand même dommage qu'il n'y ait aucun des deux qui proc. Et ben c'est génial, il n'y en a aucun des deux qui a proqué comme par hasard, donc j'ai pas regagné assez d'énergie. Donc là, typiquement, tu vois, j'ai pas assez d'énergie pour lancer mon skill. Donc c'est pas grave, du coup, je vais te montrer ce que je voulais te montrer en faisant le skill mono-cible un peu plus tard. Ok, donc ici, on va peut-être soigner quand même avec notre marine parce qu'on commence à prendre un peu de dégâts, mine de rien. Donc ça, c'est fait. Donc là, j'ai les 4 d'esprit. Donc là, j'ai tout intérêt à envoyer la sauce hein, avec Doko. Ça sert plus à rien de maintenant de garder les esprits, de charger quelque chose, j'en sais rien, ça sert à rien. Là, ce qu'il faut, c'est envoyer la sauce littéralement avec notre ami Doko, bien sûr. Donc, ici, espérons cette fois-ci qu'on ait au moins une fois Rock qui proc. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord lancer de l'auto-attaque. Voilà, donc là, j'ai Rock qui a proqué, donc j'ai récupéré un mana. Du coup, je peux faire des buffs d'attaque sur Aphrodite. Ça va booster Doko. Ok. Là avec Seiya je vais pouvoir venir réduire la, enfin pas réduire la défense mais mettre un debuff sur l'adversaire de manière à ce qu'il prenne plus de dégâts. Donc là Saga va prendre 70% de dégâts supplémentaires. Tu vois Doko il bloque là, il bloque avec son bouclier donc il a pris 10% de dégâts en moins. Et là on est parti pour l'AOE avec Doko. Donc je te montre les cosmos, je te les ai pas montrés. Voici comment je les cosmo. Donc ça c'est augmente les dégâts de 40% contre les unités qui ont plus de 70% de PV. Pour le cosmo légendaire, et là tu vas voir sur Saga, c'est parti, mono cible avec Doko à travers June, voilà, il est quasiment mort, hein. À travers June, hein. C'est-à-dire que les dégâts étaient partagés là. Donc comme tu le vois, ils ont tous pris très cher, et Saga est quasiment mort. Donc là tu te doutes bien que bah ça arrache un petit peu, Doko, ça fait pas trop semblant, ça fait très mal. Donc en arène des chevaliers, le personnage est complètement viable, mais il faut build une team un petit peu autour de lui, pour vraiment que ça tombe bien. Donc là voilà, il est... là par exemple, il a fait l'assist, mais l'assist qu'il a fait, c'est la marque des dragons. Ok, donc la marque des dragons, c'est-à-dire que s'il y a un dragon qui touche Saga, ça mettra 60% de dégâts supplémentaires. Donc ça, c'est à savoir. Là, ce que je vais faire, par exemple, c'est mettre double attaque sur Doko. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais pouvoir charger un esprit avec l'auto-attaque. Et je vais pouvoir, bien sûr, lâcher la sauce après, tout simplement. Donc ici, je vais tuer Moses, parce qu'enfin, je vais tuer Moses. Je vais commencer à focus Moses parce qu'il m'embête un petit peu. Voilà, là, je charge un autre esprit avec Doko grâce à l'attaque de Saga. Et je vais aller faire une auto-attaque, justement, sur Saga, même si en vrai, c'est assez peu utile, parce que là, si un dragon le touche, il va mourir. Vu qu'il a déjà le... Il a déjà... Ah, mais je suis en skill mono-cible. Ok, bah du coup, j'envoie la sauce sur Moses. Je voulais vous montrer l'AOE. Bon, ça change rien, l'AOE. Hein. C'est juste que ça touche un seul ennemi. Mais globalement, ça change pas grand-chose, quoi. Ça change pas grand-chose. Mais vu qu'il a fait double attaque, Saga, bah j'ai... Doko, pardon, mais j'ai fait double...
Ah, ça c'est un peu chiant par contre la mort de Deidalos, du coup je perds les buffs d'attaque, c'est quand même un petit peu relou. On va préférer que ça arrive pas, mais bon, c'est pas très grave. Je vais mettre double attaque sur Doko encore une fois, histoire qu'il charge des esprits, comme ça je lâcherai plus de dragons avec l'AOE. Je vais vous montrer l'AOE enfin là, hein. Je vais enfin pouvoir la montrer là pour le coup. Donc là, bah, il a aucun esprit chargé, donc là si je faisais l'AOE maintenant, il y aurait que 4 dragons qui partiraient, c'est pas terrible. Honnêtement, 4 dragons c'est pas ouf. Heureusement l'auto-attaque a fait double attaque, donc déjà ça met plus de dégâts, et puis ça m'a chargé 2 esprits, donc là je vais lâcher 6 dragons. Donc je peux y aller à partir de là, hein. Je peux taper à tous les tours, voilà 6 dragons, ça met des bons dégâts sur tout le monde. Y a pas plus simple que ça quoi en fait, hein. C'est un bon cogneur physique comme tu le vois là, sauf qu'en plus de ça il a quelques mécaniques défensives avec le fait qu'il peut bloquer, il a des mécaniques d'assistance, donc le personnage fait juste, pour moi il fait juste un excellent taf le perso. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup Doko, je suis très content de l'avoir pull, je trouve vraiment vraiment fort sympathique pour le coup. On va aller mettre le debuff sur Moziz, et là bah tu vois par exemple, là je vais faire l'AOE, mais j'aurai que 4 dragons, donc là ça va pas être dingue par contre l'AOE. Parce que déjà je vais taper beaucoup moins que ce que je tape avec 8 dragons, et puis en plus de ça, je vais même pas toucher tout le monde. Mais après vu qu'il y a June, c'est départagé forcément, mais voilà, t'as compris quoi, c'est pas incroyable dans ce genre de situation. Donc là j'ai déjà une charge. Bon le stun sur Luna c'est un peu chiant. Le Moziz là il m'embête un petit peu. Donc là j'ai malheureusement un seul esprit. Mais c'est pas grave, hein, on continue d'envoyer la sauce. On continue d'envoyer la sauce à tous les tours. On met des dégâts, ça gratte. La prêtresse noire elle est bientôt morte. Heureusement qu'il y a la marine en face qui heal, hein, parce que sinon elle serait déjà morte depuis un petit moment même. Mais ça va finir par tomber de toute façon. Pas de panique. Il y a Aphrodite en face qui nous met quand même des dégâts. Va falloir que je fasse attention. C'est vrai qu'il nous met quand même cher. Va falloir s'en occuper de cette Aphrodite. Donc là j'ai été silence. Donc en soi je peux pas lancer les dragons. Ce que je vais faire c'est leur mettre la double attaque sur Doko. Comme ça ça annule le silence. Ça serait vraiment bien qu'on arrive à les tuer eux là parce qu'ils commencent à m'embêter. Je vais commencer à mettre le debuff sur Aphro. Donc la première attaque forcément, c'est celle... vous avez vu les dégâts? Est-ce que vous avez vu les dégâts là avec l'auto-attaque? On l'a défoncé le Aphrodite parce que forcément, hein, je rappelle, j'ai le truc qui fait plus 40% lorsque les PV sont supérieurs à 70%. Donc c'est pour ça qu'on galère à les tuer un petit peu là parce que là, le Cosmo légendaire ne proc plus depuis tout à l'heure. Donc là j'ai 2 esprits, c'est parti, on envoie la sauce, là il va y avoir des morts. Voilà, ils sont quasiment tous morts en fait, tout simplement. Vous avez vu, Aphrodite est mort alors qu'il avait énormément d'HP. Et les autres, sont fait des pop, hein, alors que. Il en restait 3, je crois, non? Il me semble qu'il en restait 3. Donc voilà, là, ils sont tous morts. Et vous allez voir en PVP, en PVP, ce que je vais faire, c'est utiliser cette force de frappe de Doko pour essayer de prendre des kills rapidement et me servir de death mask, tout simplement. Donc là, tu vois, ça met 36 000 et 8 000, tu vois. Ça met des dégâts de port, hein, tout simplement. Ça fait extrêmement mal. Donc voici comment vous pouvez jouer Doko en arène des chevaliers. Ça fait un bon taf, franchement, il y a peu de chances pour que vous perdiez hein, face à l'IA avec Doko. Ça fait le taf, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je vous laisse avec la game en PVP, c'est parti. Ok, donc on est face à une Team Freeze, a priori, sur le papier. Team Freeze avec Eshaka et la Team Freeze, donc Yoga Kamu. Donc ça risque d'être très 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 pénible. Il y a également potentiellement Mu en face. On va ban, Yoga, je pense, clairement. On va ban Yoga, et si je ban Yoga, il a quand même... Oula, par contre, attendez, je suis pas sur la bonne team, là. Si je ban Yoga, il a quand même peu de chances de réussir à nous freeze, finalement. Donc, est-ce que c'est intéressant de laisser Athéna? Je suis pas sûr. Alors que Mu pourrait être franchement sympa, là, pour contrer le Shaka. Potentiellement, il nous manque un personnage dans cette équipe. Qui est-ce qu'on va mettre pour compléter Est-ce qu'on met June? Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va pas mettre... On va pas mettre Saga, ça c'est sûr. On peut mettre Deathmask en dernier. On peut potentiellement mettre Deathmask. C'est pas une mauvaise idée de mettre Deathmask. Ça marche assez bien avec Doko, Deathmask en réalité. Ok, donc en face, il joue... Attendez, on va voir la compo finale. Ouais, voilà. Il y a pas Nachi, il y a June, je m'en doutais. Il joue également avec Shura et Aphrodite. Donc, il y a quand même pas mal de damage dealer en face, hein, La compo en face c'est quand même assez agressif pour le coup. Donc faut voir ce que ça va nous donner. Alors nous on a quand même pas mal d'unités ici qui sont sympathiques avec Doko. Hein, parce qu'en gros si vous voulez, les unités qui vont bien matcher avec Doko, c'est les unités qui vont taper avec l'attaque de base. Parce que Doko va pouvoir assist à chaque fois. Et du coup rentrer des dégâts grâce à ça. Je pense qu'on va lâcher dans un premier temps en focus sur Shaka. En fait le but hein, dans un premier temps ça va être d'inquiéter le Shaka. Histoire qu'il mette des murs sur lui. Et après si on pouvait... essayer de basculer le focus sur genre Shura ou Aphro même. Ils ont pas beaucoup d'HP en face. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas fait le mur. C'est très 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 dangereux de pas faire le mur de Lian, je pense, ici. Comme il l'a fait. On va silence Shaka. Enfin, silence stun Shaka pour pas qu'il nous silence, justement. Ah, vous avez vu, Shaka, on est en train de le détruire. Hein. Et là, Doko a jamais proc, malheureusement, sur les attaques de base. On en a fait 3, il a pas proc une seule fois.
c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est les choses qui arrivent des fois. Là, vous allez voir les dégâts de Doko en hein, 3200, sachant qu'il peut mettre une double attaque. Autant vous dire que ça fait relativement mal. Hein. Le Shaka, on l'a déjà bien esquinté, là, mine de rien. Et encore, ça, c'est dans un tour où Doko n'a jamais proc, malheureusement. Il n'a pas proc sur lui-même et il n'a pas proc non plus grâce aux alliés. Ça va mettre un mur ici devant Shaka, j'imagine. C'est pas grave. Nous, on va tout simplement tourner le focus, hein, j'ai envie de dire, vers Shura. Donc, par contre, ici, maintenant, Doko aura un peu moins de chances de proquer grâce aux alliés parce que je vais devoir utiliser un peu plus de. Enfin, un peu moins d'attaque de base. Il veut pas proc, hein, décidément. On va essayer de quand même. Quand même de stun Shaka parce que j'ai pas envie de me faire silence en fait. C'est juste trop chiant le silence. On invoque la Banshee ici bien sûr. Ah, la Banshee qui stun Shura, ça fait plaisir. On est à deux esprits chargés. Non, un seul esprit chargé sur Doko. Bon, on va charger le deuxième là, à ce tour-ci. Hein. On est sur merdo. Donc là, vous voyez que la double attaque, on tape fort. Même à travers les lianes de June, on tape fort. 1700 qui sont rentrés, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et Doko, ça y est, qui proc sur une attaque ici de Deathmask. Donc on rajoute un petit peu de dégâts. Mine de rien, on a un petit peu gratté les barres de vie de l'adversaire. Et surtout, ça y est, on a les 4 shields qui sont. Enfin, on a les 4 esprits qui sont présents chez notre ami Doko. Malheureusement, on va pas pouvoir les utiliser maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme tu le vois, il y a des shields partout en face. Donc, si je tire maintenant avec. Je vais manger un renvoi de malade. C'est pas le bon plan de me manger le renvoi de malade à sourcil, tu doutes. Ce qui serait beaucoup plus intéressant, ça serait de réussir à stun l'ami Mu, tout simplement. Il a combien de raise? Ce Mu, généralement, il peut monter assez haut en raise. Hein. Bon, lui, il a que 15%, donc ça devrait le faire. Du coup, vu qu'on va pas utiliser fondamentalement notre mana avec Doko à sourcil, on le sait, on peut l'utiliser avec Mu. Pour mettre un Crystal Wall, par exemple, pourquoi pas. Essayons de stun le Mu en face, ça passe. Essayons de stun Shaka, ça passe. Très bien, très très bien. Essayons de stun June. Ah là, si on stun June, c'est le combo parfait. Hein. Oh, bah alors là... Bah là alors là, les potes, je vous le dis, ça risque de partir en couille au prochain tour, là, je vous le dis. Hein. Au prochain tour, ça va clairement partir en cacahuète, là. Allez, hop, c'est parti. Auto-attaque avec Deathmask ici. Alors, je rappelle, avec Deathmask, avec Doko, je rappelle quand Doko assiste, justement, peut-être ici sur l'auto-attaque de Deathmask, il a deux types d'assist. Une assist où il va venir taper directement et une assist où il va mettre une marque sur l'adversaire. Bon, malheureusement, il ne l'a pas fait, là. Et lorsqu'il met une marque sur l'adversaire et que vous lâchez les dragons, vous allez faire encore plus de dégâts. Vous allez voir, à ce moment-là, vous allez faire vraiment extrêmement mal. Là, on est extrêmement bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui nous embête, fondamentalement, avant que Doko y joue. Et vu qu'il n'y a pas grand-chose qui nous embête, on risque de faire extrêmement mal. Et ça, pour nous, c'est très, très, très intéressant. On va pouvoir réussir à prendre un kill, très certainement, ici. Oh là là, Doko avec la 6 qui fait plaisir. Il faut absolument que j'arrive à silence, enfin, à stun ce Shaka, parce que sinon, il aurait pu empêcher mon Doko de jouer. Ça aurait été terrible. Sur qui on part là? Sur qui on part? On a le choix, hein. On a l'embarras du choix sur le stun et sur le kill également de Doko après derrière. Continuez à essayer de contrôler Mu, je pense. Voilà, c'est très bien. Je pense pas que je vais tuer Shaka, je pense que je vais tuer June. Je pense plutôt tuer June d'abord. Oh là là, et vous avez vu là par exemple, bah, typiquement, bah voilà, le Doko qui met des assists et à force ça rend des dégâts. Et du coup, on tue Shaka sans Doko, donc là on a gagné. On a gagné la game là parce que vous allez voir la puissance de Doko et pourquoi il est également aussi fort avec Deathmask. Regardez ça, hop, c'est parti, on lâche les dragons, on a les 8 marques. Et voilà, le kill qui a quasiment été fait. Franchement, hein, très sincèrement, c'est très rare qu'il tue pas. C'est très très rare qu'il tue pas. Je me demande comment ça se fait qu'il l'a pas tué d'ailleurs, même limite. Et voilà, donc là il a mis la petite marque, donc justement avec cette fameuse marque, hein, là on l'aurait tué clairement. Malheureusement elle arrive un peu tard cette marque parce que là je vais pas relâcher les dragons sur June. Mais ce que je vais vous montrer à ce tour-ci, c'est que t'es pas obligé d'attendre d'avoir les 4 marques pour taper avec... t'es pas du tout obligé d'attendre d'avoir les 4 marques même pour taper avec Doko. Tu peux taper avant ça, ça peut avoir clairement son intérêt de taper avant même, dans certaines situations. On va essayer de contrôler Shura ici, malheureusement ça passe pas. Je peux tuer June ici si je le souhaite, mais ça a peu d'intérêt de tuer June comme ça, parce qu'en fait June, je vais la tuer grâce à Doko là, June. Voilà, le stun ici est bien mieux. Là, Doko va tuer June, vous allez voir. Avec son AoE, il y aura que 5 dragons, mais 5 dragons, ça sera suffisant. Malheureusement, il a pas gardé sur l'attaque de Shura. Hop, voilà, donc là on kill et en plus de ça, on met des bons dégâts d'AOE comme vous voyez, donc on a bien push sur tout le monde, hein. Ils étaient full life les autres, hein. Ils étaient full life quasiment si je ne m'abuse, donc franchement c'est plutôt bien. Et là du coup, bah forcément il y a des morts dans la game, et qui dit il y a des morts dans la game, dit Deathmask va avoir
un impact de plus en plus puissant au fil de celle-ci. Voilà, on met des auto-attaques, ça marche bien avec Doko qui met son... qui met sa marque en face. Doko, prochain tour, s'il est pas mort, je vais encore pouvoir lancer l'AOE et rentrer des bons dégâts. Bref, vous avez compris, là, il est complètement dans le trap. Il peut juste pas revenir de ça. Il est bloqué. Et là, bah, ça va, vous allez voir, ça va snowball. Hein. Ça va très, très vite snowball maintenant. Parce que, bah, on va prendre de plus en plus de kills. On va, du coup, avoir de plus en plus de fantômes. Et Deathmask va être de plus en plus fort, tout simplement. Donc là, il peut pas empêcher Doko de jouer. Il y a rien qui joue avant Doko. Doko est protégé, il peut pas, jamais de la vie il peut le tuer. De toute façon, même s'il était pas protégé, il le tuait pas. Et là, bah, vous allez voir, hop, on fait péter sur Shura. Bim, voilà, Shura ça dégage, Marine ça dégage aussi, voilà, voilà. Typiquement, vous avez vu les dégâts de Doko, ce que ça donne. Je suis très content cette game parce que c'est comme ça qu'on joue fondamentalement le personnage. Donc, c'est le rep en diamant 3 en plus avec cette petite game, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, voici comment Doko se joue en PVP, les gars. Le personnage est vraiment, vraiment très, très fort, très solide actuellement en PVP, je trouve. J'aime beaucoup, beaucoup le jouer. Alors, il y a d'autres compos dans lesquels on pourra le jouer également, hein, mais là, actuellement, c'est l'une des compos que je joue le plus avec Deathmask et vous avez vu ce que vous avez vu au niveau des supports, hein, donc Mu... Moses et Luna notamment, et avec un petit Yo pour entrer des dégâts en plus du Doko. Donc voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les gars. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser le pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Senseiya. Portez-vous bien, bye bye tout le monde, ciao.